Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 septembre 2020 et j'ai envie de vous raconter une histoire. Cette histoire, je l'avais déjà racontée en 2017, mais il semble que c'était trop tôt. Vous savez que nos ancêtres, ils ont toujours fonctionné de cette façon. C'est à travers les contes qu'il donnait des enseignements aux enfants et en tout cas à tout le monde. À travers les contes, ils éduquaient. À travers les contes, ils formaient. Ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir avec la parole. Et donc, j'ai utilisé ce conte-là pour envoyer un message en 2017. Mais, comme je dis, c'était trop tôt. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en plein dans ce que véhiculait ce conte. Alors je vais le raconter une deuxième fois. Et à l'époque, je n'avais pas autant de personnes qui me suivaient. Et donc je pense que le message, il va toujours être bon. Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est donc l'histoire des animaux qui traversaient une période très, très, très calamiteuse. Il y avait la famine qui s'était installée, ça faisait longtemps, ils ne savaient plus à quoi, à quel saint se vouer. Enfin, le saint des animaux, quoi, soit dit en passant. Merci, César Oulaï. Et donc, chaque jour, ça cherchait les solutions, ça cherchait les solutions, ça ne trouvait pas. Au passage, le conte, il a été rapporté par Monsieur Ibrahima Ndiaye. Voilà. C'est bon de dire le nom de l'auteur. Et donc, les animaux cherchaient des solutions, chaque fois ils ne trouvaient pas. Un jour, bon, il y a un des animaux qui dit, bon, je pense que c'est la tortue. Et si on partait d'ici même? Parce que depuis on est là, on tourne en rond, rien ne marche et tout ça là. Et si on se déplaçait? Il a dit, mais on va se déplacer comment? Non, on ne peut pas se déplacer, c'est ici on est. Oui, mais depuis on est là, la famine, là, ça y est partout. Non, on va quitter ici, on va aller ailleurs là où c'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous en savez? Donc le caméléon lui a dit, ah, va voir le roi. Dit, moi la tortue, je vais aller voir le roi. Le roi, moi tortue, il va m'écouter. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu es important aussi comme les autres. Va voir le roi. Si au moins il a dit non, en ce moment-là, tu peux. Ma chère, la tortue n'est pas partie. 2 ou 3 jours après, le caméléon est venu la revoir. Mais va voir le roi. Il dit, mais toi-même, va voir le roi. Moi, j'allais devant le roi, je ne peux pas. Donc, le caméléon allait rencontrer le roi. Il dit, la tortue a donné une idée, mais je voudrais que ce soit elle-même qui te l'explique. Et donc, comme ça, le caméléon va chercher la tortue. Viens, je vais t'accompagner. Le roi dit, il veut t'entendre. Et le conseil était là. La tortue rentre toute tremblante devant le roi. Puis elle explique que vraiment, moi, je me dis que si on part d'ici, on peut peut-être, ça peut aider. Parce que depuis on est là, on tourne en rond, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Donc peut-être que si on sort de là où on est là, et puis on essaye d'aller un peu plus loin, on va explorer, on pourra peut-être trouver chose. On dit, ok, on va réfléchir, puis on va te dire. Finalement, le conseil, une partie était d'accord, une autre a dit, ça c'est n'importe quoi. On va quitter ici où on a toujours vécu, on a toujours été dans ça là. On va laisser ça, on va aller dans l'aventure comme ça. On ne sait même pas où on va. De toutes les façons, la sécheresse là, ça y est partout. Ce n'est pas ici seulement. Et puis d'autres ont dit, mais c'est une bonne idée. Parce que là, on ne sait pas. Ça nous coûte quoi de prendre le risque? Ah, mon cher, celui qui veut partir, il va. Moi, je ne vais pas. Et finalement, une partie de la population informée a décidé de suivre le projet de la tortue. Et donc, ils se sont ébranlés un matin. Donc, ils ont marché longtemps, longtemps. Et le caméléon, il voit de loin. Donc, il était sur la tête de l'éléphant. On lui a dit, bon, si tu vois quelque chose quelque part là-bas, tu nous dis. De loin, ils ont vu un arbre. Il y avait de loin, le caméléon dit, je vois un arbre, un joli, je vois. Ouh, allons-y, oh, je vois, il y a je vois ça de loin comme ça. Les fruits là sont jaunes, rouges, oranges, de loin, puis ça brille comme ça doit être bon, hein. Et donc, ça les a remis en confiance. Ils ont avancé, avancé, avancé. Donc, avant qu'ils n'arrivent, le roi, le lion a dit, bon, il faut aller. En voyant le singe, il va aller parce que les gens commençaient à mourir de faim, là, les gens étaient fatigués. Le fait de voir l'arbre de loin avec les fruits, tout ça là, ça faisait que les gens n'avaient même plus envie d'avancer, ils étaient découragés même. En tout cas, ça fait l'effet contraire.
Et on a envoyé le singe est allé, il est monté sur l'arbre là, il n'arrive pas à cueillir. Il essaie, il tire, il n'arrive pas. Il revient, il dit au lion, j'ai essayé mais ça ne peut pas. L'éléphant dit, hein, ça doit être un arbre ensorcelé alors. Bon, moi je m'en vais. Donc l'éléphant s'en va avec sa corpulence. Il arrive au pied de l'arbre, il met tout son poids, boum, il cogne l'arbre là, en espérant que les fruits vont tomber, ça ne tombe pas. Il prend sa tête, abaye, il cogne, les fruits ne tombent pas. Il revient, il dit au roi, ah, le roi, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à faire tomber ça. Là, il me dit, là, comment on va faire? Donc, on va passer devant l'arbre, là, comme ça, on ne pourra même pas. Les femmes, là, ont commencé, mon enfant a fait, l'enfant, là, pleure ici, et tout ça, là. Il y en a même qui ont fait demi-tour. Il y en a même, ils ont fait demi-tour, même. Ils disent que c'est bon, ils ne vont plus. C'est qu'elle a fait ça. On voit l'arbre, là, on ne peut pas cueillir les fruits. Tout ça là, c'est la tortue. Tu nous as mis dans les problèmes. Moi, je retourne où on était là. C'était mieux. Même si on n'avait rien à manger là. Là-bas là, on était mieux. Donc, il y en a qui ont fait demi-tour. Donc, il passe sous l'arbre. Et puis, il regarde les fruits là comme ça. J'ai dit, oh, quand il regarde là même, c'est poto, comme ça. Tu imagines le jus là. Regardez, imaginez mangue. Mangue, quand on était enfant, quand il mange mangue là, puis ça coule comme ça là. C'est l'image que les fruits là donnaient. Et puis, on va laisser ça. Yeah! Mais quand même, ils ont continué. Et à un moment donné, le caméléon dit, ah, je vois un autre arbre. Je vois un autre arbre. Donc, il s'en va. Il arrive, il voit quelqu'un qui est assis sur l'arbre là. C'est un baobab. Et il salue le vieux. Il dit, ah, bonjour papa et tout. Voilà. Ah, mais c'est quoi ça? On vient de tel endroit. Donc, il lui explique. Voilà, on est passé à côté. On a vu les fruits et tout. On n'a pas pu cueillir. Donc, on ne sait même plus quoi faire. Et Le sage là lui dit, ça fait des siècles que je suis assis ici. C'est la première fois que je vois quelqu'un me parler. Mais il y a une formule. Pour pouvoir avoir les fruits là, il y a une formule. Donc il faut retourner sur vos pas. Vous allez aller. Il y a une formule pour avoir les fruits. Donc c'est quoi? Awarawuru. Awarawuru. Agre Kéboro. Ah! Le sage dit, quoi? Le vieux répète. Awarawuru, agrekebro. Anouanze, et tisrankoum. Ah, ça là, qui va retenir ça là? Retiens. Donc, il s'en va, il fait demi-tour. Arrivé là-bas, il dit, je viens de voir le vieux là. Il y a un vieux qui était assis sur le baobab là. Il y a une formule pour pouvoir avoir les fruits. Donc, l'éléphant avait raison. L'éléphant avait raison, c'est un arbre ensorcelé. Mais j'ai oublié la formule, c'est trop compliqué. On envoie l'éléphant, on dit, bon, comme toi tu as une bonne mémoire, il faut aller. L'éléphant s'en va, le vieux là lui rappelle, lui dit la même chose. Awarawuru, awarawuru, agre keboro, anouanze, eti srankoum. Il dit d'accord. Il s'en va, il arrive, il a oublié. La hyène dit, regardez-moi ça. Toi, on dit éléphant à la mémoire, éléphant à la mémoire, là, n'importe quoi. Tu n'es même pas capable de retenir le truc. Moi, je m'en vais. Fia! La hyène s'en va. Le vieux lui donne la formule. En revenant, la hyène voit un os d'un animal qui est mort depuis de longtemps là-bas. Là. Elle s'arrête dessus. Elle mange. Elle croque l'os là. Elle revient. Elle a oublié. Mais là, on va faire comment? D'abord, la formule est compliquée. Donc, l'éléphant dit... La tortue dit, bon, moi j'ai une idée. Puisqu'ils disent que c'est des groupes de mots. Et si on allait en groupe, et puis chacun retenait un mot. C'est-à-dire, il a dit qu'il y a quelque chose, voilà, quelque chose là. Donc, on s'en va, puis chacun retient un seul mot, au lieu qu'on retienne tous les mêmes mots. Ah, ça c'est une bonne idée. Donc, ils s'en vont en groupe. Awarawuru. Awarawuru, il y a un groupe qui retient ça. Agre Kéboro, il y a un groupe qui retient Agre. L'autre qui retient Kéboro. Anouanze, et Tisrankoum. Un autre groupe retient Anouanze, et Tisrankoum. Donc, au retour, tous, chacun a un mot dans la tête. Au lieu de retenir toute la formule, chacun a pris une partie de la formule et ils sont revenus. Et puis chacun a dit. Donc quand ils sont arrivés, le lion a dit, bon,
On va expérimenter l'idée de... Est-ce que chacun se retient du, se souvient du mot qu'il devait retenir? Oui! Le roi dit, ok, donc ils sont tous positionnés. Tout le monde était assis. Les gens sont mis par terre là, autour de l'arbre. Et maintenant, le premier a dit, Aworo-Wuru. L'autre a dit, Aworo-Wuru. L'autre, ça dit chacun. Aworo-Wuru. Aworo-Wuru. Agri-Tchebro. Agri-Tchebro. Ça fait quatre. Anouanze. Anouanze. Eti Srankoum. Donc chacun a dit. L'arbre n'attendait pas nécessairement que ça vienne de la même personne, mais que ce soit dit. Et ils ont dit ça ensemble. Oh, quand ils ont fini de dire le dernier mot là, on dirait qu'il y avait une pluie de fruits. Ah, ça pleuvait sur eux comme ça, faut pas voir maintenant. Didi blewa aux les yeux, didi blewa aux les yeux, didi blewa aux les yeux. Ali Dieu Kaya West, allez yeux, Ali Dieu Kaya West, allez yeux, didi blewa aux les yeux, yeah 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 yo yo, Ali Dieu Kaya West, allez yeux. Ali Dieu Kaya West, allez yeux. C'était la joie. Voilà les fruits là par terre maintenant. Ils ont mangé à satiété. Ah, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça. Mais c'était juteux comme ça, ça coulait. On du tout. Les enfants là, faut pas les voir. Les parents étaient contents comme ça. Et ils ont décidé de faire leur village autour de l'arbre. Et le fait d'avoir eu ces fruits leur a permis d'avoir confiance en l'avenir. Leur a permis d'avoir la force, de l'intelligence. Et puis, ils ont commencé à faire tout ensemble. Et le lion, il a dit, mais c'est quand même bizarre. Il est allé voir le vieux qui était sur le baobab. Il dit, vraiment, je suis venu te remercier en tant que chef du village, chef des animaux. Je suis venu te remercier pour ce que tu nous as donné comme formule. Et le chef du village lui dit, vous savez, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas capable de retenir le mot. C'était fait exprès pour que chaque fois on oublie la formule. Parce qu'un seul individu ne peut pas amener la paix dans sa communauté. Un seul individu ne peut pas avoir la force pour faire ce qu'il faut. C'est la communauté, c'est l'union, c'est la force de tous les enfants d'un pays qui amène ce pays-là à avoir la force. Quand vous avez décidé de vous mettre ensemble, vous avez décidé de partager les tâches, chacun avec l'objectif de permettre le projet commun d'aboutir, vous avez vu que ça n'a pas été compliqué. Chacun a utilisé un seul mot, mais ça veut dire que chacun a apporté de lui pour le projet commun. J'ai fait ce compte en 2017. Je pense que c'était en novembre 2017. Aujourd'hui, ce compte, il est d'actualité. Je voudrais, en tant que simple individu, dire à chaque Ivoirien que chacun a sa part à jouer dans la chose commune. Aucun groupe, aucun individu, aucun groupement de personnes, tout seul, ne peut réussir à aboutir à la paix. C'est quand chacun va être accepté avec ses différences, quand chacun va être accepté avec sa force, et quand chacun va se dire que j'ai ma force, j'ai ma part à jouer, et qu'il va être accepté par les autres, que ensemble, comme un seul homme, on va prononcer la formule magique. C'est seulement à ce prix-là que nous aurons le résultat. Et le résultat, nous allons le déguster ensemble. Côte d'Ivoire, je voudrais profiter de ce direct pour féliciter M. Afin Guessant. Pour lui dire merci beaucoup d'avoir fait le pas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et ce n'est personne qui viendra faire pour nous la paix. Ce n'est personne qui viendra chercher la solution pour nous. C'est nous-mêmes, en notre sein, en notre fort intérieur. Quand la voix viendra de nos entrailles et que nous comprendrons que nous n'avons une seule issue, que l'union pour avoir le résultat, c'est seulement en ce moment-là que nous pourrons aller vers le résultat commun.
tant que chacun va croire qu'il est le plus intelligent, comme la hyène qui trouvait qu'elle pouvait aller prendre et puis venir, tant que chacun va croire qu'il est le seul qui détient la vérité, qu'il est le seul qui détient la force, qu'il est le seul, ça n'aboutira à rien. Combien de fois nous n'avons pas tenté par le passé? Ça aboutit à rien parce que chacun était dans son truc. La hyène est allée faire son truc, le truc. Et c'est la tortue qui a eu l'idée. La tortue qui ne faisait même pas partie du conseil des sages. La tortue simple individu qui a eu l'idée. Mais heureusement qu'elle a été écoutée par le roi. Parce que la vérité, elle ne vient pas forcément de la classe dirigeante. La vérité, elle est en nous tous. Chacun a sa vérité. Écoutez celui qui est en bas, comme on dit. Écoutez celui qui fait partie de la société civile. Le citoyen lambda, il peut donner une bonne idée. Ce n'est pas forcément parce que je suis le chef du village, parce que je suis le député, parce que je suis le ministre, parce que je suis même le président de la République, que j'ai les meilleures idées, que j'ai les idées lumineuses. Elles peuvent venir du simple citoyen qui trime au quotidien. Ce compte-là, c'est pour vous emmener à comprendre qu'il n'y a que l'union. Aujourd'hui, tous nos chefs ont décidé de se mettre ensemble. Voilà les résultats. Comment on appelle ça? Awaraguru, c'est dans ma langue. Godier, les Glengon, mettons-nous ensemble, c'est ça, Awaraguru. Rassemblons-nous. Agritchebro, nous sommes un peuple, nous sommes un. Donc, réunissons-nous. Rassemblons-nous, nous sommes un seul et unique peuple. Awaraguru, Agritchebro, nous sommes de la même espèce, nous sommes de la même famille, nous sommes la seule, nous avons la même ADN, en tout cas. Anouanze, Ambaoulé, l'entente, la cordialité, comment on appelle ça, c'est à peu près les mêmes choses là aussi. Et Tisrankoum, nous sommes la même personne. Nous sommes la seule personne. Nous sommes le même individu. Aujourd'hui, nous avons décidé chacun d'apporter son morceau, d'apporter son mot. Aujourd'hui, vous voyez les résultats. Mais il reste encore un des nôtres qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas en l'insultant, je parle de Kakabé, ce n'est pas en l'insultant que nous allons l'attirer vers nous. Ce n'est pas en le traitant de ceci, cela que nous allons l'attirer vers nous. Ce n'est pas en insultant son physique comme des publications que je vois que nous allons attirer le frère. Il faut prendre le frère par les sentiments. Il faut appeler le frère. Parce que, avant ça, chacun allait dans son sens. N'oublions pas que certains n'oublient pas leur passé récent. À un moment donné de notre vie commune, il y en a qui ont pactisé. Aujourd'hui, on a décidé de faire table rase du passé. Donc, soyons un peu humbles en pensant à notre passé et en arrêtant de crucifier celui qui est de l'autre côté aujourd'hui. Il faut l'avoir par les sentiments. Il faut toucher son cœur. Il faut utiliser les moyens pour toucher le cœur de Kakabé, pour qu'il sache que ses frères l'appellent et non lui faire la guerre et non le crucifier. On a un des nôtres qui est hors de la maison. Il faut toucher son cœur. Il faut prendre le chemin de son cœur. Pas le convaincre, mais l'amener à comprendre qu'il a mieux à être avec les autres. Arrêtons de le stigmatiser. Arrêtons d'insulter Kakabé. Arrêtons de le crucifier. Arrêtons de le traiter de tous les noms. Arrêtons de le mépriser. Arrêtons de lui marcher dessus. Arrêtons de lui cracher dessus. On n'aura pas le résultat qu'on escompte en faisant ça. Parce qu'en l'insultant, nous allons le braquer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de M. Afin Guessan? Tout le monde a été surpris. Parce qu'à un moment donné, quand on a compris que le chemin qu'on a pris n'est pas le bon, on peut faire marche arrière. Mais on a besoin de notre idée. On dit que Kakabé est pris en otage. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons pour le sortir de l'otage? Qu'est-ce que nous qui savons qu'il est pris en otage, parce que d'autres avaient été pris en otage aussi. Qu'est-ce que nous, on pose comme acte pour que notre frère sorte de là? Réfléchissons à ça. Comment nous allons faire pour aller arracher notre fils, notre frère, notre ami des griffes où il est, au lieu de le crucifier? Parce que si on le crucifie comme ça, ça va le braquer et ça va le défier et il va vouloir montrer que lui aussi il est garçon. Qui sera perdant? C'est nous.
parce que c'est notre pays. Parce que ceux qui ont décidé de le pourfendre là, ce n'est pas leur pays. En cas de cas, ils vont prendre leur avion, ils vont partir. Alors, voilà le conte que j'avais raconté en 2017. Mais comme je dis, c'était trop tôt. Personne n'avait compris. Mais je suis là et je parlerai toujours par image. Je parlerai toujours. Je ne me découragerai pas. 2017-2020, je fais le même compte là aujourd'hui. Et il y a plusieurs comptes comme ça que j'avais fait. Je vais, chaque fois que ça va venir, je vais vous raconter ça. Donc, je vais vous laisser. Je viens de voir mon bus passer. Il faut que j'attende l'autre. Là, je m'en vais au travail. Je vous aime très fort. Partagez la vidéo et essayez de parler à ceux qui sont autour de vous, qui crucifient Kakabé. Dites-leur que ce n'est pas la solution. Il faut toucher le cœur de Kakabé. Il faut amener Kakabé à comprendre qu'il s'agit de son pays, que les intérêts de son pays doivent passer avant. C'est comme ça que nous allons réussir à faire venir notre frère. Et si nous pensons qu'il est pris en otage, réfléchissons ensemble comment nous allons faire pour sortir notre frère des griffes. Parce que si la situation dégénère, il va rester en prison là-bas. Et c'est son nom qui va rester dans notre histoire commune comme ayant été du mauvais côté. Faisons notre part, ne nous décourageons pas, cherchons à aller prendre notre frère. Awolowuru, Agrikebolo, rassemblons-nous, nous sommes la même personne. Anouanze, et Tisrankoum. Gros bisous, je vous aime très fort, je vais filer pour aller au travail. Bye bye, il ne faut jamais se décourager. Quand on pense qu'on est dans la vérité, il ne faut jamais se décourager. Même si les gens crachent sur toi, il faut persister dans ce que tu dis. Un jour viendra où tu vas gagner. Merci beaucoup à nos ancêtres. Merci beaucoup pour les inspirations que j'ai, que j'ai toujours eues. Merci à vous qui me suivez, qui me faites confiance. Publiez la vidéo et puis on va avancer. Parce que tout près n'est pas loin. Bye.